Bonjour, qu'est-ce que vous prenez? Une bière, s'il vous plaît. Une blonde ou une brune? Blanche! Bien, tout de suite. Mais non, Blanche! C'est moi, Marie-Jo, tu me remets pas? Marie-Jo? Si je m'attendais. Qu'est-ce que tu fais là? J'aide mon fils le dimanche, quand il y a affluence. C'est son restaurant. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Mon mari vient de mourir. J'ai envie de me réinstaller à Sucé. J'ai hérité de la maison du grand-père. Le père Gaston? Tu te souviens de lui? Oh, tu parles si je m'en souviens! Oh. Les boulons, les boulons. Ah non, tu es tout. Les boulons. À bois les poissons, à toi les boulons. Ah salaud. Dehors, tiens. Dehors, toi. Je t'aurai, hein. Dehors, dehors. Je t'aurai, toi. Salaud. Ah non, tu es tout. Et je lui dis, à bois les poissons, à toi les boulons. Toi, mon con, le coup des boulons, tu vas me le payer, hein? C'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Abruti, hein. Doucement, du calme, du calme, du calme. C'est le concours de pêche de la Gaule nantaise. La petite Marie-Jo, je l'inscris comme d'habitude? Bien sûr, elle prend pas de boulons, elle. Pauvre con, hein. Sais-tu ce que tu as pris aujourd'hui? Bah, tu sais, ça arrive. Tiens, au fait, est-ce que tu aimerais gagner un beau bijou? Ben oui, bien sûr. Comment? Tu sais, la Saint-Michel? Oui. Bien, le concours de pêche. Le premier prix cette année pour les filles, c'est un bijou. Mais grand-père, tu sais que je n'aime pas ça. Les bijoux? Mais non, grand-père, la pêche. Allez, viens. Entre. Marie-Jo, où t'es? Je suis au Sensu. T'as pris que ça? Tu m'as inscrite pour le concours? Oui, c'est Trottinette qui sera président cette année. Et il y a un très joli bijou à gagner. Trottinette? Bah, tu sais bien, l'abbé. Je veux que tu fasses quelque chose. Cela ne peut plus durer. Tu connais la dernière invention de ton père? Il a décidé d'inscrire la petite à un concours de pêche. C'est peut-être pas si grave.
Pas si grave. Avec tous ces gens qui vont arriver, les barbinois, les métallos. Je ne veux pas l'avoir traîné avec ceux de la petite Russie. Ah, ça non. Tiens, bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur l'abbé. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, les gens de la petite Russie? C'est le grand-père. Il a décidé d'inscrire la petite à un concours de pêche, maintenant. Celui de la Saint-Michel? Oui. Dites-lui, monsieur l'abbé, que c'est vous le président cette année. Mais j'ai quel, moi? Vous savez, monsieur l'abbé, à quel point c'est important pour moi, la pêche. Et puis la petite, faut bien qu'elle apprenne la vie aussi. D'autant plus, madame Pradino, que les saintes écritures en parlent. Souvenez-vous de la pêche miraculeuse. Vous n'avez pas oublié votre catéchisme, madame Pradino. De toute façon, elle n'ira pas. Ah, monsieur l'abbé, vous allez rester avec nous manger. Pourquoi pas. Ma position est délicate, Étienne. Je me dois de rester neutre. Si tout ça se savait... Ouais, mais c'est que là, elle connaît vraiment rien. Ah, soyez charitable, l'abbé. Juste quelques petites leçons. Le maniement de base. C'est que moi, ça m'est pas facile avec ma bru. Non, vraiment, Étienne, ce serait pas loyal. Il est fameux, ce petit vin. Ah, madame, ça remet les idées en place. Hein. Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Ça reste entre nous. Absolument. Bonjour, sœur Athanase. Comment va aujourd'hui? Bonjour, Gaston. Bien, merci. Je viens chercher les sangsues. Marie-Jo est là? Oui, sœur Athanase. J'arrive. Vous faites le concours, j'imagine? Ah non, pas moi. Marie-Jo, certainement. D'ailleurs, il va falloir lui renouveler son matériel cette année. Ah, merci, ma petite Marie-Jo. Merci, sœur Athanase. Avec ça, tu pourras t'acheter une canne toute neuve. Ouais, l'autre, c'est une vieille grand-père. Brave petite, va. Je préfère jouer avec toi, moi. J'aime pas avoir les poissons mourir. Et puis, en plus, c'est dégoûtant. Grand-père, il est gentil, mais je veux pas faire ça. Accompagne-moi, rien qu'une fois. Tu pourras voir le héron prendre son envol dans la brume qui caresse la surface de l'eau. Tu pourrais peut-être même voir la loutre se faufiler dans les roseaux. Mais grand-père! Oh, s'il te plaît, rien qu'une fois. Voir comme c'est facile.
Bonjour, monsieur l'abbé. Bah, vous tombez bien. Ça va être beaucoup plus difficile que je pensais. Quoi donc ? Bien, la petite affaire que vous savez, là, ce que je vous ai demandé. Ouais, il me semblait bien. Venez avec moi. J'ai jamais rien vu de si beau. C'est le premier prix pour les filles au concours de pêche cette année. Mais grand-père, je sais pas pêcher. J'ai jamais fait. Mais je ne demande qu'à t'apprendre. Tu verras, c'est pas compliqué. Mais d'abord, pourquoi tu veux que je le fasse? Pourquoi? Parce que... Eh ben, comme ça, voilà, pour que tu saches. Bon, s'il te plaît. Il est si beau. Bon, d'accord. Mais j'y arriverai jamais. Mais si, tu y arriveras. Mais si, hein, monsieur l'abbé? Bonjour Blanche. J'ai une mise pour mon grand-père. Il va bien le grand-père? Oui, bien. D'homme bon sang, mais il y en a pour toute une armée là. Attends un peu, je vais te chercher tout ça. Bonjour Blanche. C'est pas souvent qu'on te voit ici. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon grand-père. Il va absolument m'apprendre à pêcher. C'est pour le concours. Ah, tu le fais aussi. On sera ensemble. Oh, mais il y en a pour un régiment, là. Tu sais, Blanche, il faut surtout être malin pour pêcher. J'ai aucune chance. Je le sais bien. Thank you.
Ah, mais qu'est-ce que tu prends? Ah, oui, oui. Noémie, numéro 12. Thérèse, au numéro 13. Marie-Jo, au numéro 14. Manon, au numéro 15. Magali, au numéro 16. Blanche, au numéro 17. Bon, mesdemoiselles, le concours de pêche va commencer. C'est parti pour 2 heures. Ce n'est que le début. Il te reste encore 2 heures devant toi. Ça va pas, hein. Alors, Étienne, le vicaire ne vous a rien préparé avant qu'on remette le miracle? Pauvre branche, le sien n'a pas l'air de fonctionner. Les poissons n'aiment pas du tout, en tout cas. Je vois pas de quoi vous voulez parler, ma soeur. Étienne, ça bulle près du bouchon. Regarde bien. Il y a beaucoup de poissons chats quand même. Ouh, elle est douée cette petite. Vous allez devoir vous expliquer sur tout ce cirque. Mais oui. Papa, on t'avait dit qu'on voulait pas tout ça. Elle est blanche. Tu arrêtes tout de suite et tu rentres avec nous à la maison. Mais c'est bientôt fini. Vous pouvez bien attendre. J'ai dit tout de suite. Blanche, Blanche, ton bouchon. Il s'enfonce. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ça? Ton bouchon, Blanche. Il s'enfonce. Oh là. Regarde Blanche, ton bouchon. Regarde ton bouchon, Blanche. Regarde, il s'enfonce. Allez, vas-y. Oui, 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 vas-y. Viens, ma biche. Allez, allez. Ça fait pas le poids.
confidence pour confidence, je n'ai jamais rien compris à la pêche. Mais ce bijou m'a taillé une sacrée réputation auprès des pêcheurs. Ils viennent régulièrement nous parler de leurs exploits. C'est bon pour le commerce, tu sais. Bonjour Blanche, je peux te laisser une affiche pour le concours? Oui, bien sûr. Merci, bonne journée. Comme tu peux le voir, rien n'a changé à Sucy. Le temps passe au fil de l'eau. Au fil de l'Erdre. Thank you.